Bonjour les amis, une petite vidéo. Tout d'abord pour rendre un immense hommage. Un immense hommage donc au personnel soignant et à tous les gens qui participent activement à combattre cette pandémie. Voilà. Un immense hommage. Et quand même une piqûre de rappel à beaucoup de gens, quoi. Quand on dit confinement, c'est pas aller se balader, c'est pas aller à la plage, et c'est pas des vacances, quoi. Il y a des gens qui luttent. Des gens qui luttent, hein, au quotidien, tous les jours, dans les hôpitaux pour sauver des vies. On vous dit de rester à la maison. S'il faut rester à la maison, c'est pour éviter d'être contaminé et ensuite de submerger les moyens dont les hôpitaux disposent. Et de toute façon, ils sont saturés en ce moment. Donc pour éviter une sursaturation des hôpitaux, restez chez vous. Évitez d'être contaminé. Et en plus, si vous êtes contaminé, vous risquez de contaminer vos proches, voire même des gens qui vont peut-être contaminer des gens qui sont vraiment en difficulté au niveau de leur santé et faire des drames. Putain, mais c'est pas compliqué, quoi, je sais pas. Donc, petite piqûre de rappel. N'oubliez pas non plus les protocoles de sécurité. Boîte aux lettres, voilà, toujours nettoyer, hein, voilà, on sait jamais. Hein. Boîte aux lettres, poignée de porte, un pédiluve éventuellement pour décontaminer vos chaussures quand vous rentrez. Mettre un petit panneau donc sur votre boîte aux lettres, pas de pub par exemple, voilà, ça évitera qu'il y ait trop de choses dedans. Enfin, protocole de sécurité, voilà, vous touchez quelque chose, vous lavez les mains, ou si vous êtes dehors et que vous avez la chance d'avoir du gel hydroalcoolique, faites-le. Mais bon, la protection maximale est requise. Bon, c'est un virus, hein. C'est pas de la rigolade. Voilà. Il y a des gens qui meurent. Voilà, donc je tenais à le dire. Donc ma partie confinée, hein, donc vous voyez, je suis dans mon terrain. Pourtant, je suis à la campagne. Hein. J'ai pas de voisins. Les seuls voisins, c'est la ferme, qui est juste à côté. Voilà, enfin un tout petit peu plus bas. Mais je reste quand même dans mon terrain, donc je respecte cette règle de confinement. Voilà, tout simplement. Alors voilà, j'ai envie de vous faire un petit peu profiter du paysage. Il y a des copines. Les voisines, les vaches. Voilà, donc profitez de ce confinement si vous êtes en famille, pour un petit peu vous retrouver, pour un petit peu parler, discuter. Enfin, parce que souvent les gens se plaignent qu'ils ne voient pas assez leurs enfants, etc. Profitez-en. Occupez-vous, lisez, apprenez. Il y a tant de choses à faire. Faites votre potager si vous êtes à la campagne. Enfin bref, voilà, quoi. Donc c'est sur cette belle image, hein, de mesdames les copines les vaches que je vous laisse et que je vous dis donc de bien prendre soin de vous et de vos proches surtout. Et surtout respectez bien les règles. C'est comme ça, voilà, on peut pas y couper. Sinon, ça risque d'être une catastrophe. Donc restez chez vous, tout simplement. Voilà. À plus les amis, ciao ciao.